À présent, nous aimerions mettre des vidéos. On va essayer de rajouter une petite vidéo en bas de l'article. C'est-à-dire que derrière Bon Appétit, j'aimerais un petit tutoriel vidéo qui explique comment faire des salades de penne. Alors, j'appuie sur Entrée. Et là, cette fois-ci, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que soit on va mettre une vidéo, on va la placer. Ça sera, par exemple, une vidéo MP4 qui va être placée sur le serveur. Sauf que ce n'est pas du tout la bonne méthode, parce qu'en fait, l'utilisateur va devoir télécharger la vidéo intégralement avant de pouvoir la lire. Normalement, une vidéo doit se trouver sur un serveur de streaming. Le serveur de streaming le plus connu, c'est YouTube, hein, donc bien entendu, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller chercher une vidéo YouTube, et puis on va l'intégrer. Là, je vais aller chercher une vidéo YouTube qui a été faite par quelqu'un d'autre, mais je pourrais très bien enregistrer ma vidéo. La déposer sur une chaîne YouTube que j'aurais faite pour ensuite aller pointer vers ma vidéo. Alors, comment faire cela pour aller chercher une vidéo? Bah, il faut déjà aller sur YouTube. Donc, je vais aller sur un navigateur, je vais taper YouTube. Il va me mettre donc des informations classiques d'actualité. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans le petit moteur de recherche de YouTube, il faut savoir que YouTube aujourd'hui, c'est un véritable moteur de recherche. Je crois que c'est le troisième moteur de recherche, le deuxième ou troisième moteur de recherche après Google. Donc là, je vais taper salade de penne. Donc il y en a plein, hein. Je vais prendre la première. Même si c'est pas exactement celle que. Allez, je vais prendre celui-ci. Hop. Je vais cliquer dessus. On va peut-être couper le son parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle se lance. Hop, voilà, je coupe le son. Et ça, c'est la petite pub hein, nécessaire pendant 6 secondes puisque là, il n'y a pas de bloqueur de publicité. Je vais cliquer sur le bouton partager. Le bouton partager me renvoie un lien hypertexte. J'ai juste à copier ce lien hypertexte. Je vais ensuite aller sur mon site web en mode création. Et là où j'ai ajouté un bloc en appuyant sur Entrée, il me propose 6 blocs, mais en fait il en existe beaucoup d'autres. Donc je vais demander ici un bloc de type YouTube. Donc du coup, dès que je tape You, il me propose YouTube. Hop. Et il permet de coller cette fameuse URL que j'ai copiée. Je clique sur le bouton embarquer et ma vidéo apparaît ici. On va mettre à jour le contenu et on va visualiser le résultat à travers mon navigateur en tant qu'internaute anonyme. On réactualise la page. Et si je descends tout en bas, nous avons la vidéo qui apparaît et qui se lance automatiquement. Voilà, donc je coupe le son. Hop. On a appris à taper du texte, le mettre en forme, mettre des images, mettre une vidéo, tout ce que l'on peut faire sur un site web.